des hommes sont des hommes de formalité. Un schéma qui déconne des brutalités. Nous sommes ensemble des futilités. Paraître ne pas être, j'étais à forcer, à me forcer, car corser, à me faire corser. Un monde loin d'être censé, par sa pub nous recenser. Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire à part des sangs d'entrée, rien de mieux que ceux qui gouvernent du craft de l'essence à longueur de journée. Que papa a dû vendre pour gagner ce qui s'appelle de l'argent facile et détourné. Qu'il va falloir se battre avec des armes et non pas avec les mots comme l'on faisait autrefois. Car aujourd'hui ils ont perverti les âmes, qu'ils ont le monopole de l'inconscient. Que toute notre planète part en couille, bon sang, bon sang, bon sang. Nous sommes des hommes de formalité. Un schéma qui déconne des brutalités. Nous sommes ensemble des futilités. Paraître ou ne pas être, j'étais. Le moine, le moine, la vie fait de le moine. Le moine, le moine, la vie fait de le moine. Paraître ou ne pas être, je parle d'apparence, de carence, pas qu'apparent, s'accaparant apparemment à des paroles peu convenantes. Je parle de cette frontière entre fonds et formes, c'est formel. La forme enferme le fond et tout ce qu'on aime se résume au fait. On nage dans le progrès, c'est l'apanage du reflet. C'est une réalité tellement subjective qu'on ne pourra jamais la capter. La boussole déboussole le solitaire sous somnifère. Que peut-il faire? Il est au sol seul, la solution le somatise. J'ai peine à dire. Et les reflets nous trompent et nous pénalisent. Nos critiques feront taire et nos textes seront à relire. On ne pourra jamais décrire ce que signifie réellement le fond. Les jugements j'anéantis pour qu'enfin les détails s'estompent. Je parle de l'apparaître, de l'illusion du visible. Car le bien-être est avant tout l'absence totale du nuisible. Nous sommes des hommes de formalité.